Salut tout le monde, c'est Max et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo très très particulière, très spéciale parce qu'aujourd'hui ça va être un trailer reaction d'un nouveau film qui va sortir prochainement. Mais c'est un film qui a été un livre auparavant et le livre c'est Les Insoumis par Alexandra Bracken. Et le film a pour titre The Darkest Mind Rebellion. Alors j'ai pas encore écouté la bande-annonce, je pensais pas faire un trailer reaction, mais il y a tellement de gens qui m'ont dit que ça serait probablement un film que j'aimerais parce que ça serait des super pouvoirs, un peu des trucs pouvoirs paranormaux et tout. J'ai pas lu les livres de Alexandra Bracken justement, alors je sais pas qu'est-ce que ça va être et tout, alors on va tout découvrir ça ensemble. Si vous avez lu les livres, dites-moi un commentaire si c'est bon, peut-être que j'irai m'y procurer justement. Mais voilà, aussi si vous aimez ce genre de vidéo là vraiment super cool, relax, eh bien vous me direz tout ça dans les commentaires, ça serait vraiment apprécié. Alors je me suis muni de mon ordinateur pour écouter la bonne annonce, ça serait important. Alors on va écouter ça ensemble et je vous reviens après pour vous en dire un petit peu plus sur mon ressenti. Alors c'est parti. Si tu entends ce message, tu es l'un des nôtres. Si tu es l'un des nôtres, tu peux nous trouver. Stop, stop, stop. Est-ce que c'est Rue, ou Rue en tout cas, dans Hunger Games? C'est la fille qui a fait Everything Everything, mais est-ce que c'est Rue dans Hunger Games? En tout cas, elle y ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est reparti. Bientôt, il n'y aurait plus aucun enfant. Nulle part. Le gouvernement n'avait pas peur de ceux qui étaient morts. Il avait peur de nous. Car ceux qui avaient survécu avait changé. Malade. Ruby, les jeunes comme toi sont vraiment rares. Tu fais partie des plus puissants. Oh my god, je reconnais cette voix. Genre la chanson là, c'est Ruelle. C'est elle qui a écrit les chansons pour Shadowhunters. J'adore Ruelle, sincèrement, si vous pouvez aller voir ses chansons, allez-y là, sont excellentes, c'est sûr que c'est Ruelle. Là où on va, les jeunes vivent ensemble et libres. Les seuls qui sont prêts à nous aider, c'est nous. Surtout, tu t'arrêtes pas! Yes! Pour leur sécurité et la vôtre, vous devez nous livrer vos enfants. Je suis assez malin pour voir que tu caches quelque chose. Et t'es assez maligne pour le cacher. Je voulais pas que vous ayez peur de moi. Mais j'essaie de me contrôler. Et plus je deviens dangereuse. Je veux t'aider à maîtriser tes facultés pour que tu puisses t'en servir. Ah, plus vague. My fucking god. Ok. Alors. Quoi dire de cette bande-annonce de malade? Premièrement, c'est des pouvoirs. Ça me touche carrément. Ça me rejoint carrément. C'est vraiment mon style. C'est mon genre de film que j'adore. C'est le genre de bande-annonce qui me tient vraiment en haleine. Que je suis du genre à faire. J'aime chercher les livres pour le lire au plus vite, quoi. Parce que à la fin de la bande-annonce, c'est marqué qu'il sortirait prochainement. Alors, j'ai comme pas de date, mais c'est comme 2018. Je suis hyper content de retrouver celle qui a joué dans Everything Everything. Je trouve que c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup. C'est un acteur qu'on n'a pas beaucoup vu également dans les films. Et je l'ai beaucoup aimé dans Everything Everything. Alors, j'ai très hâte de la voir dans un film plus action, science-fiction, justement. Alors, j'ai très hâte de voir son rôle d'acteur dans tout ça. Les effets spéciaux m'ont l'air carrément ouf. Quand il change les yeux et tout, là, je trouve ça malade. Tout ce qui a rapport avec les yeux, je trouve ça incroyable. Comme je l'ai dit, le choix de la musique, Ruelle, j'ai regardé et elle s'appelle Revolution.
Alors, Révolution de Ruel, allez voir ça. La musique est juste vraiment ouf. C'est le genre de musique qui me donne des frissons. Je me libère l'esprit, je m'en vais dans un autre monde, un peu dans ce genre-là. La musique, c'est vraiment important pour moi et sérieusement, ils ont pris tellement le bon choix de musique pour la bande-annonce. Ça vaut le détour juste pour la musique, sincèrement. Mais voilà, j'ai pas lu les livres, alors je sais pas s'il y a des trucs qui ont pas rapport dans le film, dans la bande-annonce et tout. Mais j'ai vu sur internet que la petite fille qui lève une table avec le pouvoir de télékinésie, supposément qu'il n'aurait pas ça dans le livre. Alors je sais pas si c'est vrai. J'ai pas non plus recherché non plus beaucoup de trucs à propos de cette bande-annonce-là. Je voulais vraiment plus faire un trailer reaction avec vous pour pouvoir vous en parler. Mais je sais pas. Mais pour moi, bref, la bande-annonce est vraiment malade mentale. Dites-moi ça dans les commentaires si vous l'aimez. Je sais que genre, je suis du genre de personne à aller regarder encore et encore la bande-annonce juste pour comme avoir ce feeling genre de malade justement. Je sais comme pas trop comment l'expliquer, mais genre c'est un sentiment vraiment genre génial qu'on a et tout. Alors voilà tout le monde, la petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais c'était court, mais j'ai vraiment aimé ça, faire ça, découvrir ça un peu avec vous autres, face caméra, mes impressions et tout. Dans les commentaires, si vous en voulez d'autres, ça me ferait plaisir de faire ça pour vous autres et en même temps ben, pour moi parce qu'on découvre tellement de belles choses et tout. Alors n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. On a dépassé les 1700, alors un gros merci à tout le monde, sincèrement, vous êtes vraiment juste ouf. Ça me touche énormément. Et nous, on va se retrouver un peu plus tard pour une prochaine vidéo. Et pendant ce temps, je souhaite à tous de très belles lectures et à aller écouter la chanson de Ruel que je vous mets dans la barre d'information de la vidéo. À vous la peine. Bye tout le monde! Thank you.